J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance intemporelle. On va aller voir les énergies du moment. Alors, je vais utiliser trois jeux pour cette guidance. On va commencer par l'énergie dominante, la tendance, donc du tirage avec le jeu de votre destin. Ensuite, on va faire un tableau de neuf avec l'oracle Béline, le classique. Et à la fin, un petit message de l'oracle Lumière. Voilà les lions. Allez, c'est parti. On y va. Lion en signe solaire, ascendant lunaire. Ici, là, c'est un message sentimental vénusien. C'est parti, les lions. Ah, elle veut sortir celle-là. On la découvre. Alors, les lions, là, on a la carte de la vigilance. Cette carte vous dit, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc, effectivement, les amis, il doit y avoir certainement une porte qui s'est fermée, quelque chose qui s'est clôturé, qui s'est arrêté. Hein, enfin, selon votre volonté ou pas, peu importe, mais dans tous les cas, hein, derrière une porte qui se ferme, il y a toujours une autre porte qui s'ouvre. Donc, c'est quand même assez positif, hein. Restez focalisé sur la nouvelle porte, sur cette ouverture, sur ce changement, pas sur le passé, clairement. Bon, ben, les lions, c'est bien. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle Béline. Il y a une reconnaissance, hein, les amis, hein. Il y a une reconnaissance, vous pouvez être fier de vous, les lions, pour certains, vous avez été en accord avec vous, et c'est l'essentiel, peu importe hein, les dommages et les pertes derrière, et sinon, il y a une forme de reconnaissance hein, dans un partenariat, une union. Allez les amis, c'est parti, on va aller piocher les 9 cartes. Alors, comment j'avais fait? Je ne sais plus, mais je crois que j'avais fait comme ça. Allez, c'est parti. Bon, celle-là, elle est sortie. 4, 5, 6, 9. Voilà, les lions. C'est parti, on va regarder le dos du paquet. On a pensée amitié. Vous voyez, la carte pensée amitié, c'est vraiment le fait d'être honnête, sincère envers soi-même, hein, les lions. Hein. Pensée amitié, ça peut aussi parler du domaine amical. Hein. Pourquoi pas, pour certains, ça peut être le cas. Allez, c'est parti, on fait une première lecture, 3 par 3, et après on va recouvrir. On y va, les lions. Alors, ici, nous avons la carte campagne santé. Despotisme. Avec Mars et inconstance avec la Lune. Bon, ben voilà les lions, hein. Je pense que là, il y a un repos, il y a du recul. Je pense que vous vous êtes retiré d'une situation, alors que ce soit physiquement ou émotionnellement, vous vous êtes retiré d'une situation qui était instable et qui vous maintenait enchaîné, enlisé dans une forme d'emprise. Donc, à voir ce que ça peut être, à vous d'adapter maintenant le domaine. Mais on sent que comme c'est très, très, très récent, il y a une espèce d'inconstance au niveau des émotions. Alors, soit vous êtes en train de sortir de ce despotisme, de cette emprise, ou soit, ça y est, c'est passé, mais il y a encore un petit peu des énergies au niveau émotionnel. On sent ici avec l'énergie de Mars que ça a aussi été difficile, qu'il vous a fallu aussi du courage, de la détermination et de la confiance en vous pour privilégier, je pense, les lions, la paix et la sérénité. Allez, on découvre les autres cartes. Donc là, on a la carte de l'union, donc ça concerne vous et une autre personne, hein, peu importe le domaine. Les honneurs et on a vol, perte. Bon, bah ouais, les lions, je pense que dans cette situation, il fallait vous respecter. Il y a une perte, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a une perte, alors à voir, hein, la perte, elle est où? Est-ce qu'elle est au niveau émotionnel? Parce que l'emprise, c'est pas du tout facile. Est-ce qu'elle est au niveau financier? Est-ce qu'elle est au niveau de les honneurs? C'est au niveau peut-être de votre réputation, ça aussi c'est possible, hein, vous voyez, il y a une perte effectivement, mais dans tous les cas, là je pense qu'actuellement, vous êtes quand même assez fiers de vous, parce que pour certains lions, si la décision a été de votre plein gré, vous avez été honnête envers vous, et finalement, vous avez su que, voilà, il fallait peut-être cesser cette perte, ou c'est cette perte qui vous a poussé à sortir de cette emprise, à débloquer quelque chose, et vous vous sentez beaucoup mieux et fier de vous. C'est surtout ça.
Ok, par amour pour vous, hein, c'est ce qu'on me dit. Vous avez compris, en fait, finalement. Vous avez peut-être communiqué, vous avez compris que peut-être que c'est une communication, une notion de communication qui vous mettait dans une forme d'emprise où il y a une forme de perte. Ou sinon, vous avez compris que là, trop, c'est trop. Ok? Comment ça évolue tout ça pour parler? Méchanceté? Et la carte bleue magnifique. C'est la première fois qu'elle sort cette carte. Et j'ai fait combien de signes? J'ai fait quatre signes avant vous. Et elle sort. C'est magnifique. Et en plus, elle sort dans l'évolution. Donc oui, il va y avoir des répercussions, hein, du fait de sortir de cette emprise, de cet despotisme, de voilà, d'avoir certainement découvert une forme d'emprise, de perte. Comment je peux dire ça? D'emprise, de perte, de. Mince, j'ai pas. Mais j'ai pas le mot, je suis désolée. Mais voilà, de sortir de tout ça par respect, par fierté pour vous et par amour pour vous, forcément, il va y avoir des répercussions. Donc, on a pour parler la méchanceté, on a deux fois Mars ici. Donc, les répercussions, ça va être quoi? Eh ben, on va, les lions, certainement, essayer d'être méchant avec vous, communiquer avec vous, vous faire revenir hein, dans cette énergie. On va peut-être pas vous lâcher pour ceux qui sont dans une forme d'emprise. On va peut-être vous critiquer, etc., etc. Vous voyez, pour parler la méchanceté, ça peut être aussi plusieurs personnes. Vous voyez, le Mars, c'est aussi la planète de la destruction. Regardez, Mars, on l'a sur les cartes négatives. Vous voyez, donc oui, on pourrait essayer de vous détruire. On pourrait, voilà, essayer plein de choses contre vous. Mais regardez ce qu'on a ici. Très grande protection. Qui dit protection dit que vous, ça ne va pas vous atteindre. Parce que là, vous privilégiez la paix, la sérénité, le calme, mais la protection aussi, c'est gare à ces personnes. Gare à eux ou à elles, une ou plusieurs personnes. Ça va dépendre de chaque personne. Parce que quand on est protégé comme ça, surtout de cette méchanceté-là, ça ne va pas vous atteindre, mais ces personnes ou cette personne pourrait être très, très, très embêtée. Donc les lions, l'essentiel, hein, clairement j'ai envie de dire, hein, c'est l'amour, l'honnêteté envers vous-même, la beauté que vous voulez voir dans la vie, et il y a de la nouveauté qui arrive pour vous faire extrêmement plaisir. Je pense que là, pour ceux qui sont sortis d'une forme d'emprise d'une manière ou d'une autre, ça a été un très 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 bon choix. Alors, on va recouvrir. Campagne santé. N'oubliez pas les lions, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir. Et là, pour l'instant, oui, effectivement, pour certains, la porte, elle est déjà ouverte. Hein. Pour d'autres, ce qui commence à aller là, c'est au niveau émotionnel. Donc, c'est déjà une première porte. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a d'autres choses qui vont arriver. Alors moi, je dis ce que je vois, je ne fais pas de complaisance. Donc, qu'on ne me dise pas, si vous venez regarder pour un lion, oui, mais les lions, c'est toujours positif. Ce n'est pas du tout toujours positif. Nous, ça fait des mois et des mois, plus de 5 mois, que c'est la misère qu'on galère. À un moment donné, il faut bien que la roue, elle tourne un petit peu. Et là, la guidance, elle est positive parce que moi, je sais tirer le positif toujours des situations parce que je suis optimiste, je suis comme ça. Mais il y a de la misère hein, derrière ça. Hein. Donc voilà. Non, mais je dis ça parce que c'est bon. Il y en a marre à un moment donné. Enfin, c'est pas tout le monde qui me le dit, hein. C'est très très rare. Hein. Mais rien que ça blesse parce que c'est de l'injustice de dire que je privilégie un signe, que c'est jamais négatif pour les lions. À un moment donné, il faut arrêter quoi. N'importe quoi. J'ai horreur qu'on m'accuse d'être qui je ne suis pas et de faire ce que je ne fais pas. Ça, je déteste ça. Ça, c'est de la pure jalousie. C'est incroyable. De manière, c'est toute notre vie, ça. Hein. Clairement, faut dire ce qui est. Allez, c'est parti, les amis. Campagne santé, les lions, l'intelligence. Voilà, l'intelligence de prendre du recul. L'intelligence. Et là, ce que je viens de faire, c'est pas intelligent. Hein, de parler de ça, c'est nourrir cette énergie diabolique, démoniaque. Faut plus du tout en parler. Vous voyez? Mais là, comme c'est récent, il y a eu encore un événement récent qui m'a gonflé. Donc là, c'est encore là. Mais je vais plus nourrir ce genre de choses. Clairement. Donc, l'intelligence, justement, de prendre du recul. D'accord? L'intelligence de sortir de cette emprise, l'intelligence de se reposer. Ça peut être quelque chose que vous lâchez, quelqu'un que vous lâchez, une énergie, voyez, quelque chose comme ça, que ça ne vous atteigne plus. L'intelligence, c'est très intelligent avec campagne santé de se retirer. Alors, despotisme, la paix. Voilà. On sort de cette emprise et on s'apaise. Maintenant, l'emprise, on ne sort pas comme ça d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre, parce qu'on le dit, c'est progressif aussi.
inconstance. L'inconstance des émotions inconstantes. Hein. Il y a encore un petit peu cette emprise, hein, cette énergie difficile, toxique, compliquée, c'est normal. Trafic, oui, parce que c'est encore dans votre tête, c'est encore dans vos pensées malgré tout. Peut-être pour certains, il y a encore de la communication hein, derrière ça. Alors, l'union. Moi, je pense que là, l'union, c'est l'union entre vous et vous. Ou pour certains, peut-être que si ça vous parle, ça, du sentimental, vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre et c'est les honneurs pour vous sur cette emprise, sur ce vol, en fait. Hein. D'accord? Ça, c'est possible. L'union, maladie. Donc, l'union, maladie, non, c'est cette union, en fait. Cette union-là qu'on voit ici, union professionnelle, sentimentale, peu importe vous et l'autre personne, c'était, voyez, encore une fois, un jeu d'emprise. Regardez, les amis, les cartes. C'est la même chose. Et là, c'est vous. Là, c'est vous. C'est quelqu'un qui essaye de vous marcher dessus. Hein, on le voit. Hein. Les honneurs. Vous pouvez être fiers de vous. Ah, et là, on essaye de marcher sur vous. Pourquoi les lions? Parce que vous avez certainement les honneurs. Hein, les lions. Parce que vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous attirez. Quand on a pour astre, quand on est le seul signe de l'astrologie, du zodiaque, qui a pour astre le soleil. Ben à un moment donné, oui, toute notre vie, c'est ça. On essaye de nous marcher dessus. Voilà, la famille. Alors là aussi, maintenant, ça fait ressortir aussi tout ça. Quelque chose en lien avec la famille, avec l'enfance, avec l'histoire, avec le passé. Peut-être que ça, c'est depuis même votre naissance, les lions. Ou je ne sais pas, on ne veut pas vous voir réussir. Vous voyez, on ne veut pas vous voir réussir, on ne veut pas vous voir évoluer. On essaye constamment d'avoir une emprise sur vous. C'est énergétique. Ce n'est pas vous les lions, c'est votre énergie. Et ça peut même être en rapport avec la famille où ça fait partie de votre histoire depuis toujours. Vol-perte. Trahison. Vous voyez, c'est ça, c'est des trahisons, c'est de la manipulation et c'est de l'emprise. Pour parler méchanceté, sagesse, voilà, vous allez avoir la sagesse sur ça. Peu importe ce qu'on vous dise, peu importe ce qu'on dit sur vous, les lions, vous allez avoir la sagesse. Hein. Et ça c'est votre chance pour cette protection. C'est pour ça, les lions, dites rien, reculez-vous, dites rien. Moi, j'ai appris, hein. J'ai appris là, depuis 3 ans que je suis sur YouTube, j'ai appris à faire confiance. Bon, j'ai toujours eu hein, confiance au karma, à la vie. Ça me porte hein, toute ma vie, ça m'a porté. Hein. Mais surtout là, depuis 3 ans avec tout ce que je vis, donc pour certains vous êtes au courant, pour d'autres je vais pas revenir sur le truc, j'ai appris vraiment le lâcher prise et la sagesse. C'est-à-dire que j'ai fait au maximum le choix de ne rien dire, de ne rien dire, de ne rien dire, de ne pas répliquer, de laisser faire le karma, vous voyez. Et dans un sens, c'est hyper positif parce qu'avant, j'étais tout feu, tout flamme. On parlait mal, je parlais mal. Enfin voilà, je rigolais absolument pas, vous voyez. Et là, j'ai appris à ça, à pas donner de l'importance, à pas chercher à comprendre, à voir. Et c'est exactement ce qu'on voit là sur les pourparlers. Donc, c'est parler mal. Hein. C'est des gens qui parlent mal ou c'est quelqu'un qui pourrait vous parler mal à vous. C'est la sagesse qu'il faut avoir. Je m'en fous. Regardez la méchanceté. Oui, c'est destiné des lions. Hein. C'est destiné. Et tout ça, c'est quand même si c'est injuste, c'est dégueulasse hein, ce qui s'est passé, cette notion d'emprise, etc., que vous avez certainement subi. Hein. Mais en même temps, tout ça, c'est destiné, les lions. C'est une épreuve pour vous apprendre la sagesse aussi. Hein, de plus partir au quart de tour, de plus, vous voyez, la sagesse face aux ennemis. Pourquoi? Parce que là, la protection, elle est là pour vous. Donc, c'est-à-dire que vous, on vous apporte, plus vous restez sage, moins vous parlez, moins vous répliquez, moins vous rendez le mal par le mal, plus on vous apporte des belles choses, et plus ces gens-là ont du mal, en fait, finalement. Et c'est ça qu'il fallait comprendre. Donc, la destinée, c'est ça. Regardez, sur la méchanceté, on a la même carte, là. La clé, c'est toujours une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. Eh oui, il y a une autre porte qui va s'ouvrir très bientôt, les lions. Là, on est dans l'avenir. Et la protection, sur la protection, nous avons l'amour. Donc, les lions, hein, on vous aime. L'univers vous aime, clairement, les lions. Vous allez hériter de pas mal de choses parce que, les lions, vous avez changé. L'idée, c'est d'être honnête envers soi-même. Donc, si vous avez fait un choix de lâcher prise, de lâcher quelque chose, peu importe, il y a un héritage qui arrive à vous. L'univers vous aime, l'univers vous soutient. C'est juste des épreuves
qu'il faut dépasser, mais aussi il faut toujours se remettre en question et changer dans la situation. On ne rend plus le mal par le mal. On n'agit plus au quart de tour. Pour certains, on ne peut pas. Hein. Pour certains, on ne peut absolument pas parce que, vous savez, les lions, après, ça nous fait passer pour les méchants. C'est-à-dire qu'en fait, de base, on est victime et ça y est, on va parler, on va dire quelque chose, on va insulter ou peu importe. Hop, ça se retourne et puis finalement, on passe de victime à coupable. Donc, pour certains, on ne peut même pas agir. Donc, comme on ne peut pas et qu'on est emprisonné, ça bouillonne à l'intérieur, hein, mais ça sert à rien, eh ben, on voit aussi la vie. La vie, on voit aussi le karma qui se joue, on voit la vie faire. Donc on voit, on comprend qu'on est aimé par l'univers, hein, et qu'on ne nous laisse pas, et que c'est pas parce qu'on fait rien, c'est pas parce qu'on ne se venge pas qu'il n'y a rien qui se passe. Hein, les lions. Bon, la vidéo, elle était quand même assez longue pour vous. Bon, oui, on peut dire que je vous ai privilégié. Non, c'est parce que j'avais des choses à dire. Donc les lions, clairement, très belle guidance. Hein. Très très belle guidance. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir savoir si ça vous a parlé parce que bah, à cause de tout ça, j'ai bloqué les commentaires. Mais voilà, tant pis, c'est temporaire. Hein. Pour ceux qui veulent m'écrire, vous avez mon numéro sous la barre d'infos. Il n'y a pas de souci. Douceur. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Vous voyez les lions, cette carte, elle résume. C'est une bulle de douceur. Elle est là. C'est l'amour et c'est la protection. La colère, les gestes brusques, les bruits, les cris, les fissures dans l'énergie, parce que c'est ce que cherchent à faire ces gens-là, là, hein, à créer des fissures dans votre énergie, hein, derrière vous. Une bulle de douceur, les amis. Et la simplicité. Et laissez l'univers vous apporter ce que vous méritez. C'est ce qu'il faut faire, les lions. Voilà, les amis, je vous embrasse. J'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Bye.